bonjour à tous, bonjour les amis, c'est Kaz, bienvenue en vidéo gameplay sur mon jeu du moment Gradfisk, sur lequel je m'amuse beaucoup, c'est Crossout. Crossout, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de, si vous voulez, de Mad Max, de World of Tanks. Donc vous allez pouvoir construire vraiment les véhicules de votre choix dans un univers post-apocalyptique. Il y a pas mal de choses à faire, vous allez voir. Ça peut être soit du PvE, des missions raid PvE dans lesquelles vous partez en PvE avec d'autres alliés joueurs pour récupérer des fournitures, de l'équipement, des matières premières avec lesquelles vous pourrez craft des items et faire ensuite vos véhicules, ou partir en combat contre d'autres joueurs, ou enfin partir en match classé. Alors, lien dans la description de la vidéo si vous voulez jouer à Crossout dès maintenant, gratos. Le jeu est vraiment de très bonne facture et les critiques sont assez sympas. Voici le véhicule que j'ai actuellement, je suis niveau 5 de compte. Voilà un petit peu à quoi ressemble ma bête. C'est un véhicule assez lourd, qui a pas mal de défense. Je lui ai enlevé les deux lames que j'avais devant, elle ne me sert pas à grand chose. Donc du coup j'ai encore deux positions de pièces disponibles. On va plutôt mettre un pare-choc, histoire de pouvoir faire des dégâts si je rentre dans quelqu'un. Donc là c'est des items que j'ai en stock, hein, d'accord. Excavateur, ça c'est quoi ça? Apparence. Une pelle dans les mains, augmente le gain de réputation auprès d'une bataille de 2%, c'est pas dégueu ça. Et là j'ai un autocollant. Ah, oh, tiens on va essayer. Autocollant, j'autocolle ça où moi? Ah ouais, classe, on va essayer tout de suite. Autocollant. On va essayer de faire au milieu. On peut augmenter l'échelle, ah cool. Non. On va faire, on va essayer, voilà. J'ai un autocollant qui est là, super. Je peux en mettre un deuxième, il paraît. Allez, on va faire ça. On va faire plus petit sur la portière, non? Sur le côté. Comme ça, regardez. Hop, voilà. Petit autocollant, pépouze, super. Ok, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, ça c'est quoi? Ça c'est une déco. Ouais. Ouais, c'est une paire de pelles, quoi. Je vais le mettre sur mon radiateur, là, comme ça. Ouais, ça décore. Et puis ça donne un bonus de 2% à la faction après le combat. Super. Il me reste donc un point de pièce à mettre. Ok. Mon pare-choc, il est où? Mon gros pare-choc. Mon gros pare-choc. Il est là. Pare-choc catch. Je peux le mettre, ce truc. Voilà. Et ben voilà. Mon véhicule est prêt. Alors, on va tout de suite faire un petit test, les amis. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Ça, c'est mon véhicule. Il a quand même 582 de défense, c'est pas dégueu. Mais il a pas trop de puissance de feu. C'est-à-dire que j'ai en clic gauche ma mitraillette. Petite mitraillette qui permet de faire des dégâts standards, vous voyez, comme ceci. Mais j'ai surtout un canon monté. Par contre, il est pas, vous voyez, il est pas mobile. Il est très peu mobile. Donc, il faut vraiment que je sois en face de l'ennemi. Et là, boum! Ça peut faire des trous. Donc, voilà, se lancer une game. Alors, on va essayer. Qu'intéressant avec ce type de véhicule, c'est essayer de viser les roues rapidement pour pouvoir. Faire en sorte de de bloquer les ennemis rapidement. Alors, ça c'est des batailles de niveau 4. Ça c'est quoi? Patrouille contre l'IA. Non, on va faire une bataille contre des vrais joueurs. Donc on va lancer une petite bataille. Je vais pouvoir comme ça vous montrer tout simplement à quoi ressemble une bataille standard joueur contre joueur. In-game, alors c'est du combien déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est du 8 contre 8, voilà. Principe, soit on tue tout le monde, soit on capture la base ennemie. Simple, hein, comme mon jour. Donc on va essayer de rester entre amis. Vous avez le nom des joueurs ainsi que le PS. Le PS c'est le point de score. C'est le point de leur véhicule. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de véhicules en tout genre. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Donc moi c'est un espèce de tank. Ils ont des petits véhicules assez rapides, j'ai l'impression, mais il faut qu'ils se gênent les mecs, ça y est. Alors on va se concentrer un petit peu, j'ai pas trop discuté durant ma partie, sinon je vais avoir tendance à faire nimpe. Faut que je me concentre sur mon fight. Putain, et là il me rentre dedans ce connard. Allez, là il y a du rouge partout, c'est ouf. Pas grave, on touche. Il faut le toucher lui. Ah là, il a un gros canon aussi lui. Ouh le salopard, il m'a pris en chasse. Il m'a pris en chasse et j'ai plus ma mitrailleuse, j'ai plus que mon gros canon. On va se barrer de là, vite fait. Allez mon casse, 4 soit d'ici, ça pue. Et on va essayer de se finir de 3 avec. Ah merde, ça c'est un collègue. Putain. Ah je suis mal barré là. Ah je suis mal barré, j'ai perdu une roue en plus. Ah putain, j'ai plus que mon canon. Lui il me prend en chasse, il fait chier. Ouais. Allez, on va essayer de. On en est où là? Ah là là, on a eu masse perte chez nous, c'est ouf. On n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. Et là, je suis très mal. Ok. Je me suis fait exploser. On a des collègues sur la base ennemie. Ils sont plus que deux d'ailleurs. Donc pour l'instant, ils capturent la base. Alors, ce qui peut être intéressant, bah, ils sont trop nombreux en face. Donc je pense pas qu'on arrive à conclure.
Mais voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de venir capturer la base ennemie pendant que les autres se fight et de leur péter les roues, comme ça ils peuvent plus venir défendre. Alors là, le combat était mal engagé. C'est dommage. On va être obligé de s'en relancer une. On va attendre que la game se finisse. Lui, il m'a bien fait chier avec son camion rouge. Hein. Vous voyez, et puis il continue à faire chier. Et j'ai trop vite perdu ma mitrailleuse. Ah, puis lui, s'est retourné tout seul comme un con. Il est foutu. Ah, tout le monde est retourné. Ah là, c'est foutu. Là, on est comme des cons. Là, il est tout seul. Ah, merde. Ah là là, la partie qui se finit trop mal. Bon, on va se faire capturer notre base. Ça sera fini. Bon, vous voyez, c'est vraiment des games qui sont super intenses, super rapides. Et tant mieux, il y a du monde. Il y a du monde. Donc ça se lance, le game se lance rapidement. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur les batailles classiques. Là, j'ai récupéré, j'ai fait un défi du jour. J'ai un petit bonus. Donc on va rester juste sur les batailles classiques. Je vous ferai d'autres vidéos où je vous présenterai notamment en mode classé. C'est intéressant, assez sympa, vous allez voir. Le système de faction, pour en parler, le système de raid, le PVE, etc. Donc voilà. Gardez juste à l'esprit que si vous lancez dans l'aventure Crossout, il y a les 3-4 premiers niveaux, c'est un peu chiant, parce que c'est beaucoup de combats contre l'IA, il faut prendre le temps de débloquer les factions notamment. Vous n'allez pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première heure peut être un peu chiant. Ah, base neutre. Ah, c'est nouveau ça, je ne connaissais pas. Rencontre, aidez vos alliés. Ah, d'habitude j'ai toujours des bases à capturer. Là c'est base neutre, c'est à dire que c'est une seule base en plein milieu. Ah, on peut passer par là, trop classe. J'imagine que ça va se passer par là. Ah, par contre faut que je fasse gaffe avec mon gros canon parce que j'ai que 12 balles. Hein. Donc là j'ai déjà fait le foufou. Ah, faut pas que je me craque sur mes tirs en fait. Avec mon gros machin, mon truc, ma stock là. Pas touché, ça. Ah, il y a l'autre connard en rouge là, la dernière fois là. Qu'est-ce couille. Allez, moi je reste là, je canonne. Et je touche pas, du coup c'est nul. Je vais toucher un peu quand même. Lui là, faut le fumer, lui, il est chiant, lui, comme la mort. Putain, casse-couille de base, lui. Ah, faut lui poter les roues. Allez, déjà une roue au moins. Allez, faut continuer. Allez, là, tu me casses les noix. Mais de ouf. Mec. Allez, faut finir, là. Ah, je suis comme un con, là. J'ai plus de mitrailleuse. J'ai plus que mon gros canon. J'ai plus que 3 balles dedans. Ah, j'ai plus de canon. Ok, j'ai plus rien. Donc là, j'ai plus d'armes. Donc, niveau offensif, je ne sers à rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est partir. Essayer de contrôler la zone. Et on est déjà plus que 3 dans notre équipe. On se fait rouler dessus là. C'est la deuxième game où on se fait rouler dessus. Ça fait chier. Allez, on rentre dans les gens. J'ai un peu d'armure. Donc je peux rentrer dans les autres, mais pas dans mes alliés. Faut éviter. Ah là, j'ai explosé. Là, je suis foutu. Là, je suis foutu. Ah merde. Oh le bordel. J'adore ce jeu. Oh, allez. On va quand même s'en faire une petite dernière pour la route. Ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu. On va attendre 30 secondes que les autres relancent parce que je sens qu'on tombe toujours un peu sur l'autre avec son truc rouge. Là, il me traumatise. Là. Il m'agace. En attendant, on va aller dans les factions. On va voir si on peut pas se construire un petit truc que j'aurais pas construit, que j'aurais pas en stock. Rouge, j'en ai. Les grosses rouges, j'ai. La cabine, là, je l'ai. Le canon Avenger, j'en ai 2 en stock. Ça, c'est ce que j'ai d'équipé. C'est pas mal. Et le gros canon comme ça, ça prend combien de place? Ah, ça prend quand même 5 d'énergie ce truc là. Ouais, kit de réparation, c'est un consommable. Ça j'ai, radio aussi. Ouais, bah j'ai tout au fait, j'ai pas à m'emmerder à crafter quoi que ce soit pour le moment. Ok, et sinon vous pouvez aussi très bien crafter des véhicules qui sont déjà prêts à l'emploi, vous voyez. Véhicule d'émerrage, le Viper, le Warcos. Donc tout ça, c'est des véhicules qui sont prêts à l'emploi. Allez, on va essayer de se relancer une dernière game. Hop, en espérant la gagner quand même. Ce serait dommage. J'ai fait beaucoup de belles parties hors vidéo. Ça m'emmerderait de toutes les perdre en vidéo. Oui, je vous disais, il y a des défis du jour, hein, quotidien, qui vous permettent de faire monter votre expérience dans un espèce de Season Pass. Et comme tout bon jeu gratuit, le Season Pass, il y a 2 versions. Il y a la version gratos, où vous payez pas et vous débloquez quelques récompenses de temps à autre, et la version payante, bien évidemment, je crois que ça doit être 9 euros le season pass,
où vous débloquez des skins en tout genre, des trucs assez cool. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer d'être tactique et stratégique. C'est-à-dire, on va faire le combat à distance. On va suivre Andy. Je sais pas, Andy, je le sens là. Andy, je le sens chaud. Ou pas. Ou pas. On part à la base ennemie direct. Oh ouais, moi je pars à la base ennemie. Allez, moi je pars capturer. Allez, hop, c'est dit. Moi je me barre d'ici. Je laisse ce centre tuer. Moi je pars capturer la base ennemie. Et je leur fais confiance. Pendant qu'ils s'entretuent. Ah, il y en a un qui m'a vu. Ah, il y en a même deux qui m'ont vu. Ça, ça craint ça par contre. Ça, c'était pas prévu. Ah, et puis j'ai plus d'armes. Bon, ouais, bah, j'ai très mal joué mon coup. J'ai très mal joué mon coup. J'ai voulu faire le foufou tout seul. J'aurais pas dû. Ouais, j'aurais pas dû. Ça, c'est ma faute. Là, on a encore perdu. Bon, bah, les amis, hein. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Alors, on va faire une petite folie. On va changer un peu notre armement. On va s'en lancer une petite dernière. Ça vous donnera l'occasion de voir un petit peu le garage. Allez, t'es tout seul, mon pauvre. T'as plus d'armes, t'as plus rien. Ouais, voilà. Ah la vache, putain, une série de 3 défaites, je crois que ça m'est jamais arrivé. La poisse, c'est la poisse de YouTube. Allez, on va aller ici. On va enlever notre gros canon. Hop. Voilà, on va pouvoir récupérer des armes. Énergie 1 sur 8. Si j'enlève ça, je suis... Énergie 8 sur 8. Mes canons, les Avengers 57 mm, ils sont là. Ah non, c'est mon gros ça. Le Lupara, c'est un shotgun. Le Cord qui est ici. Ça me prend 2 points d'énergie. Ok. Donc on va quand même laisser ça. Le radiateur qui me permet d'avoir des armes qui réchauffent beaucoup moins vite. Donc c'est très utile. Je vais le garder. Je vais garder ma pelle quand même. Qui me fait un bonus de répu. Excavateur. Hein. Voilà, très bien. C'est pas forcément centré, mais c'est pas grave. Je le mets derrière. Ouais, non, c'est pas, on s'en fout. Et on va essayer de se caler 3 canons du coup. Va falloir en crafter un. Alors. Hop. Hop. Ok, j'en ai 2. Il me reste. Je peux en mettre un troisième, effectivement. On va aller se le crafter. Donc, pour ce faire, faction, ingénieur, fabrication. Donc c'est le cordes qui est ici, on est d'accord, le LM cordes. On va en construire même 2, comme ça j'en aurai toujours 2. Ça en stock. Ils sont construits, je reviens dans mon garage, vous voyez, construire. Et là il me reste combien de points? Ah, il me reste que 3 points à mettre. Donc avec 3 points je peux en mettre un troisième. Je suis pas sûr que là il... Limite de pièces. Ah merde. Et combien de pièces ça prend? Ça prend 2, donc il va falloir que je vire des trucs. Que je vire de la défense par exemple. Alors une pièce qui me prend... Ah, fait chier. Ah, ça m'emmerde de devoir virer des pièces. Bah ça là, hein, le bonus là, on va le virer. Ok. Encore un truc à virer, ça serait bien. Pff, chier, ça c'était bien ça. Ok, je devrais pouvoir mettre un troisième. Cordes. On va le mettre derrière. Au milieu. Mais du coup on voit plus mon skin. On s'en fout. Ok, bon on va tester comme ça. Ok. Alors c'est la dernière game comme ça. Donc là j'ai changé complètement. Attendez. Annulé. Est-ce que j'ai bien... Je suis bien à fond dans les nombres de pièces. Ah, je peux mettre une dernière pièce quand même hein. Allez hein. Donc le radiateur en tant qu'affaire, on va le remettre hein. Voilà. Nombre de pièces optimal. Et j'ai quand même un point d'énergie qui est inutilisé. Et ça m'embête. De laisser un truc inutilisé. Est-ce que j'aurais un truc que je pourrais poser? Radiateur. Est-ce que je peux mettre un autre radiateur? Ah bah écoutez. Au lieu de mettre ça, je vais mettre plutôt mon radiateur. Ou un... Ah plutôt, ça c'est rigolo ça, ce truc là. Allez, regardez les amis. Un radar, voilà, pour détecter les ennemis. Bon, bon, je trouve ça drôle. Allez, une petite dernière pour la route. Radar détecteur d'ennemis. Et 3
3 railgun. On se retrouve sur une map avec capture de la base neutre, en plein centre. La forteresse. Oh, ça a de la classe. Ok. Je suis prêt. Donc là, avec mon détecteur, je vais pouvoir détecter les ennemis facilement sur le radar. Vous voyez, attention. Ou pas. Ou pas, pourquoi je les détecte pas? Pourquoi j'ai personne? Vas-y, c'est bon. Allez, on pousse tout le monde. Ah bah le mec en rouge il est avec nous cette fois-ci. On va gagner, c'est un signe. Pour lui ça va être un sniper à la con ça. Allez, on va chasser un peu. Non, on va pas chasser du tout, on va rester sur la capture parce que le but, je rappelle, c'est que si on capture la base, on gagne. Hein. Donc moi je capture la base, hein. Je me fais pas chier à aller partir au fight. Hein. Il y en a qui est sur le dos, non? Non, bah écoutez, pour le moment on l'allume de à distance sans être trop emmerdé, donc on... C'est bon, c'est fait. Bon, bah, pendant ce temps-là on capture. Hein, je suis le seul sur le point, hein, je rappelle. Hein. Donc moi je joue l'objectif, je suis malin. Puis à distance, je les emmerde. Bah je crois qu'à moi seul, je vais capturer la base. Hein. Bon alors, base capturée, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Les mecs ont pas du tout joué l'objectif, j'ai pas compris pourquoi. Et c'est pas grave, tant mieux pour nous, on a gagné et j'ai fait un défi. Voilà les amis, c'était Kaz. Ah, j'ai gagné un niveau 5 sur mon Season Pass, super. Débloqué des petites choses gratos. Voilà. Bon bah voilà, c'était Kaz, n'hésitez pas à me rejoindre sur Crossout, jeu vraiment sympathique. Et je vous dis bon bah à très bientôt, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, un partage, un abonnement, puis à me dire si vous y jouez. Ciao tout le monde, bye.